Et salut à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo unboxing. Donc comme vous avez pu voir dans le titre et la miniature, aujourd'hui on va voir une ceinture Philippe Lain. Donc ce colis m'a été envoyé de la part de Fake et Biz, comme la vidéo précédente, la sacoche Gucci. Donc cette vidéo est un partenariat, j'ai fait un partenariat avec Fake et Biz, j'ai reçu ces deux produits gratuitement. Donc il y aura tous les liens dans la description, leur Yopo, leur numéro WhatsApp, et leur nom du site, donc allez voir dans la description. Et juste avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à m'ajouter sur Snapchat, Instagram, je partage plein de publications et je parle avec tous les abonnés, donc il n'y a pas de problème, donc tout ça est dans la description aussi. Donc maintenant, place à l'unboxing. Donc là, tout d'abord, petit sachet Philippe Lain. Voilà, simple mais efficace, signe d'une bonne qualité. Alors moi, ça compte pas le nombre de temps en lequel je l'ai reçu, parce que moi ils ont fait plus vite, je l'ai eu gratuit et tout. Donc après vous allez voir dans la description et vous cherchez ces articles si vous les voulez, vous regardez le prix est pas très très élevé pour une très très bonne qualité. Donc là il y a marqué Philippe Lain sur la boîte. Donc maintenant on ouvre la boîte avant de passer à la ceinture. Je vais vous montrer, voilà, il y avait une étiquette Philippe Lain que j'ai enlevée. Voilà. La petite facture Philippe Lain. Et à la fin de la boîte, il y a un petit sachet Philippe Lain aussi. On voit pas trop parce que c'est tous les couleurs noires, mais voilà. Donc maintenant, on va voir la ceinture. Donc alors, la ceinture, on va enlever le plastique. Vous pouvez demander la taille de ceinture que vous voulez, la longueur et tout, pas de problème. Donc tout d'abord, on a vraiment l'impression que c'est du cuir. Je ne sais pas trop si c'est du cuir parce que je ne m'y connais pas forcément, forcément. Mais bon, elle est plutôt pas mal. Moi, j'aime bien. Voilà, les trous. Et là, il est marqué Philippe, là il y a marqué Philippe Lain limité d'édition quoi, et 1978 tout simplement. Voilà, donc après on peut passer à la boucle. Donc la boucle, c'est un très bon métal, c'est pas un mauvais, et puis en plus c'est bien, enfin les LED sont bien faites et tout. Donc voilà, j'ai pas enlevé le plastique parce que ça sert à rien, mais du coup voilà, voilà la ceinture de très bonne qualité. Et là, bah, il y a marqué la taille, tout simplement. Et puis voilà. Donc, cette vidéo touche déjà à sa fin. Si elle t'a plu, n'hésitez pas à mettre un maximum de likes, de partages et d'abonnements sur cette vidéo. Sinon, allez voir le site dans la description. Il y aura tous les liens. Et ajoutez-moi sur Snapchat, Instagram, je le répète. Sinon, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!